YouTube, on va partir sur un Teach Us maintenant. Teach Us à l'ancienne, 10 personnes qui partent sur la nouvelle map, qui est la map LAIR, L-A-I-R, qui doit être repère en français. Et on va partir sur cette nouvelle map de Deep Freeze. Ça, c'est le nom de la nouvelle saison. Et on va aller tester ça en Teach Us et on va aller noter one by one, du coup, eh bien, toutes les personnes qui interviennent en leur donnant une note qui sera la plus en adéquation avec leur niveau de jeu. Remember it. Allez, on va voir Pumba. Pas de skin sur le TTS. Déjà, ça de pas de skin, pas de charme. Bravo. Donc déjà, son positionnement, il pue la merde. Parce que si le mec prend une ligne à droite de la fenêtre, c'est terminé, quoi. Ses potes meurent. Il couvre rien, en fait. C'est un joueur Nidwan, c'est pas possible. Oh! Ok, bon. Il connaît pas la map, il vient d'arriver sur la map. Visiblement, son niveau de jeu fait qu'il est gold de grand maximum, puisque ça se voit au niveau de ses placements et ça se voit au niveau de ses mécaniques de déplacement, en l'occurrence. Derrière, il pose une Oza. Au moins, il prend Oza, ce qui est déjà pas mal, ok? Il va pas prendre des trucs qui servent strictement à rien, comme les gros débiles qui sont gold et qui jouent Yana en attaque et Jaeger ou machin. Ouais, même Jaeger. Ou Alibi en défense. Vous êtes débile. Vous devriez arrêter tout de suite Rainbow Six, ok? Bah bon. Il prend au moins un opérateur qui est pas con. Il est au bon endroit de la map. Il est devant un T1. On ouvre le truc. Il essaie tant bien que mal de poser ses shields. On dirait une poule qui a trouvé un couteau. On a l'impression qu'il a jamais joué aux A de sa vie. Mais bon, hein, c'est pas si mal. Donc au final, c'est plutôt encourageant. Il y a des bonnes choses. Du coup, j'ai envie de lui mettre une note qui va dans ce sens. J'ai mis 0. C'est nul à chier. Et j'ai envie d'arrêter Rainbow Six, de voir son gameplay pourri. Vous avez mis 3, vous êtes sympa. Non mais sérieusement, je lui mets 3, celui d'avant. 3 par rapport à son niveau de jeu. Voilà, 3 c'était pas si mal. This is the worst. Comment veux-tu que je note ça? Faut aller faire un peu de chasse au terreau ou de trucs. Enfin là, faut arrêter Rainbow Six, en fait. Rocket League, faut jouer à Rocket League là. Non mais les gars, je suis désolé. Vous allez me prendre pour un gros fils de pute. Mais même le premier jour, même le 1er décembre 2015, tu peux pas rater ça. Il y a un moment, il faut arriver à l'évidence de se dire, tiens. Les jeux vidéo de type FPS ne sont pas faits pour moi, en fait. Vous avez mis 1 ? Ouais, bah, je suis d'accord, ouais. 1 ? Bien sûr. On peut pas mettre de 0, de toute façon, on peut pas descendre dans le négatif. On va aller voir Scripto. Oh, ça lèche les arêtes. Lesquelles ? On sait pas. Mais ça lèche bien, quand même, là. Ok, il a un call. Oh bah oui, il a eu la bonne petite confirmation métallique que les balles passaient. Cling, cling, cling. C'est bon. Il est traité. Oh, pré-shot en forme de bite. Oh, chaque au pic. Oh.
Oh! Ah! Ah! Ah, il va voir des pieds! Il a vu des pieds! Il voit les pieds! C4! Le C4! Le C4, frère! Eh, frérot, merci! Ah, c'est un 1v4 en même temps. Ils sont tellement forts. Ouh! Oh! Ah! Oh! 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 Yeah. Oh les deux. Oh. 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 Le timing. Ah il faut noter hein. Ah bah il faut noter. Et le gadget a touché un pied. Oula attendez, je vais augmenter la note. Je vais la multiplier par 2. Oui bah là faut pas déconner. Alors vous avez mis combien? Vous avez mis 1. Moi j'ai multiplié par la note par 2. Du coup ça fait 2. Allez Jones. Il a pris Maestro, déjà. Déjà, il joue pas les opérateurs de merde. Ah, salut, je vais prendre Mozi à Elvi. Quand tu as un aim pas ouf, tu joues sur tes gadgets. Voilà, c'est tout. Regardez les cams, peut-être. Non, je sais pas. Hein. Enfin, je dis ça. Quitte à rien faire. Ah. Oh. Oh, le scan à gauche, ouais, baisser un mur. Ah, il revient. Ah, on lui donne un call. Ah, il utilise son gadget. Oh, attention, attention. Eh, 1v4. Petit pré-shot. Oh, le premier kill. L'autre, il est en train de planter devant lui. Il est en train de planter devant lui. Il a vite ma mère. Allez, quelle note pour Maestro. Qu'a fait un kill. Il a mis des Maestro, il a pris Maestro. C'est encourageant. Vous avez donc donné la note de 1 pour le Maestro. Bah moi j'ai donné 3. Il avait pris son Maestro, il a placé ses Maestro, il a essayé d'utiliser ses gadgets, il a essayé de deny, il avait un mauvais placement. Son crosshair était pas si dégueulasse que ça au final. Mais bon, il est juste un peu teubé quoi, à force de jouer à Arma. Mais c'était le moins pire de tous pour le moment. Les deux équipes, j'aurais dû les appeler Caster Rainbow Six d'un côté et développeur Ubisoft de l'autre. Ça aurait été beaucoup plus parlant je pense. Bon allez, on va voir Jay. Ok, Castle. Ok, pourquoi pas. Ouais, petite caméra en face. Non, oui, pourquoi pas. Ok. Autant regarder la caméra, on est d'accord. Ah, ok. Il a 11 206. Ok, la caméra est pas si mal au final. Hein. Elle peut deny des intermittents pas vigilants. Ok, petite ligne. Grosse situational awareness. Eh, il s'est fait entuber. On va re-regarder quand même Jay, quoi. Il s'est fait sécher, il a pas regardé. Après, zéro situational awareness, quoi. Après, il a mis ses cams. Il a mis la cam, elle était bien. Il a mis le castle, c'était pas mal. À des endroits assez intelligents et il est resté à l'endroit qu'il devait couvrir quoi. Après bah il s'est fait niquer sur son propre truc mais bon. Mais au moins bon déjà ça prend qu'un seul. Ça met des cams à des endroits d'insert. Assez intéressant pour le coup. Là c'est assez intéressant sur la map. On voit qu'il était là hier je pense. Ou alors il y a joué en tout cas. Un peu. Ça fait des petits trous de rota pour ses poteaux. Ce qui est cool. Il a vraiment envie de tout castle quoi. Il regarde les cams. Ça va, il joue pour gagner. Il joue pour gagner. Ça joue sérieux. Voilà, c'est l'intention qui compte quoi. Le crosshair placement toujours trop haut. Mais les gens, je sais pas comment vous faites pour mettre des crosshair placement qui sont 1000 fois trop haut. Putain, on va pas le voir faire un kill. Mais en même temps, sur le setup, ça allait. Ça se note. Ok, ça va, c'est propre. Ça allait. Il a mis la caméra au bon endroit, il a mis les trucs, il joue pour la gagne. Après, bon, le aim est pas là, mais bon, il se donne pas, quoi. Du coup, vous avez mis combien? 6, carrément. J'ai mis 5. C'est honteux. Pourquoi, là? Pourquoi et pas ailleurs? Moi, il joue Flores déjà.
Oh, dommage. J'espère qu'ils vont pas regarder la VOD. Hein. Parfois, j'ai envie de supprimer les VOD après, en me disant, mais c'est horrible, c'est des jeunes, ils ont besoin de confiance et tout. Et d'un autre côté, j'ai envie d'être aussi quelqu'un qui serait... qui tomberait pas dans cet élan de félicitations et de c'est bien et de... et gna gna gna. Voilà, j'ai envie un peu de vous faire comprendre que petite chose difficile, renquête facile. Overtime. Non, mais pas Overtime. Pourquoi c'est toujours dans des games comme ça où les mecs ils sont en train de s'arracher et tout? C'est horrible, tu sens qu'il y a de l'envie et tout, tu sais, des deux côtés, gna gna, ça se bat et tout. Tu vois, tu sens que ça se bat, ça se rend coup pour coup, tu sens qu'ils ont envie. Mais tu sens que le niveau de jeu, il est pas là, quoi. On dirait du foot féminin. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Arcanis, non? Ah, je sais pas, mais mes surveillants, visiblement... T'es sûr qu'il faut aller voir Arcanis? T'es sûr, hein? Ah! Quelque chose me fait dire que... Oh! Ouvrez le truc de droite là! Le mur, celui-là! Il faut l'ouvrir, ils ont quoi? Ah bah tout le monde est mort. Ah ok. Ah bah l'ouvrez pas! Ah ouais, bah là c'est foutu. Hein. Ça regarde des drones, ça réasserte la situation. Ça lèche les arêtes. Resserre un peu bas mais qui s'adapte parce que les mecs sont accroupis, ça remonte, ça met une tête, ça rentre, les mécaniques sont maîtrisées. Voilà, ça c'est du joueur platine quoi. Oula. Et ils vont nous emmener jusqu'au bout du bout. Hein. Ils sont en train de jouer le match de leur vie. Ils couvrent la fenêtre du couloir dans lequel son teammate vient de passer. C'est lui. Il est là. Il cherche... le bouton espace. Ok. Ok, ça touche. Oh, Banditrix! J'en envoie deux. Ok, ça prend les... ça pourrait droner. On vient... Oh, tu pré-shots dans la fenêtre. Ah, vite, je m'en vais. Oh, oui. Complexe la map, mais elle est incroyable, vraiment. Elle va être incroyable, j'en suis sûr. Ah, c'est pas le bon. Franchement, je préfère Code. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que vous préfériez Code. Vous êtes juste trop con en fait. Il est là le truc. Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Quelle est la note que vous pouvez donner à Squid Kuna quoi? Vous avez mis 1. Vous pouvez pas descendre en négatif, je l'ai fait pour vous. J'ai mis moins 100. Pue la merde. 7-7, ils nous emmènent jusqu'au bout du bout de l'abomination Rainbow Sixienne. Ils ont envie de me faire... arrêtez ce jeu de merde! Scripto sur cette game va faire un truc. Casser une cam. Fil barbelé. Ok, en deux coups. Ah, bon situational awareness. Il est mort. Ah bah oubliez ce que j'ai dit. Oui! On refait une 6-4. Il a dit, on en refait une 6-4. Non mais les gars, je vous ai dit, j'ai eu des problèmes cardiaques. Vous voulez que je claps ou quoi? Mais ça va pas la tête. Personne ne veut regarder ce gameplay. Personne en fait. C'était
atroce, atroce. Bonjour Grumpy, bien joué GG, vous avez eu des notes très encourageantes. Bon retour parmi nous. C'est une bonne game, 8-7. Ouh, c'est bien. Vous avez... Il y a eu des fils de barbelés de cassés. Il y a eu des drones qu'on a vus aussi, qui étaient cassés. On a vu des castles. Je crois que j'ai fait le tour. On a vu des murs renforcés aléatoirement, mais ils étaient renforcés quand même. C'est tout, je crois.